réagi. Dernière en date, les confessions religieuses. Ces réactions sont normales, à en croire un expert électoral croisé par Joseph Oscar Mbalkaïj. Des nouveaux animateurs à la tête de la CENI, les comptes à rebours a déjà commencé. Les 8 délégués des confessions religieuses et celui de la société civile sont à pied d'œuvre pour la désignation des membres qui feront partie de la composition. Beaucoup d'agitation cependant s'observe dans les microcosmes politiques congolais. La CENI, elle, est appelée à garder son indépendance pour la crédibilité des résultats qui seront issus des urnes. J'ai suivi l'abbé Cholet qui déplore le fait qu'il subisse des pressions. Bon, ça c'est, je ne vais pas commenter là-dessus, c'est tout à fait normal que tous ceux qui veulent se retrouver veulent que leur candidat soit désigné. Mais tout dépend, au fait, le dernier mot revient à toutes les confessions religieuses qui ont pour devoir de désigner leur candidat. Mais maintenant, s'agissant de la dépolitisation et de l'indépendance de la CENI, vous savez, l'indépendance de la CENI, c'est un problème, et moi j'ai écrit un livre là-dessus qui sera édité bientôt. C'est une indépendance fonctionnelle. Il y a les problèmes, par exemple, de financement, ça ne dépend pas de la CENI. Il y a les problèmes justement de désignation des membres, ça ne dépend pas de la CENI. Il y a le problème de la sécurisation, ça ne dépend pas de la CENI. Il y a le problème des campagnes électorales qui doivent décider des médias, ce n'est pas la CENI. Une CENI apolitique, loin de toute pression politique, c'est possible. En tout cas, c'est le souhait de tout Congolais pris de paix. Il faut y arriver à ça. Mais ce n'est pas facile d'arriver à la transparence, ce n'est pas facile d'arriver à construire la confiance. Parce que ça dépend. Hein. Il y a des gens qui croient que pour qu'il y ait confiance, il faut que son point de vue passe. Mais ce n'est pas ça. Votre point de vue par rapport à la loi et par rapport à l'organisation technique des élections. 8 ans d'expérience et chargé de formation au niveau international et détenteur de la mémoire institutionnelle, les professeurs et analystes des questions électorales, Koukatoula Falache, exhortent les uns et les autres à se soumettre à la décision des confessions religieuses et de la société civile. L'armée a sauvé la vie de 8 voyageurs blessés lors de l'attaque d'un camion tombé dans une embuscade ADF MTM. Les faits se sont déroulés hier à Tchani Tchani, c'est à Beni, au nord Kivu. L'armée confirme aussi la mort de 18 autres civils. L'une des personnes blessées témoigne dans ce reportage. Cette femme encore sous le choc fait partie des rescapés. Elle affirme que leur véhicule est tombé dans une embuscade des ADF MTM et grâce à l'intervention de l'armée, 8 personnes ont été sauvées. J'ai entendu une explosion d'un pneu. Il s'agit de l'attaque des ADF. Je me retrouve avec une jambe cassée. Nos militaires ont repoussé le rebelle. Ils nous ont sauvés. Il s'agit d'un véhicule de marque Fuso transportant de la marchandise sur le tronçon Tchani Tchani à Beni. En réaction, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, Anthony Mwalouchai, estime que le chauffeur n'a pas respecté les consignes. Nous regrettons parce que le chauffeur de ce Fuso n'a pas respecté les consignes sécuritaires données par les commandants en place. De respecter d'abord l'heure, vous savez, aux alentours des 17h, il fait extrêmement noir dans ces milieux, qui est très loin, éloigné de la cité de Huicha. Nous venons du terrain, nous avons vu les blessés, nous avons échangé avec le rescapé. Nous demandons à tous les chauffeurs et les usagers de cette route de respecter les consignes données par le commandant pour sauver les vies humaines. Selon l'armée, 18 personnes ont été tuées, 8 rescapés et 2 ADF neutralisés. Kinshasa va abriter prochainement les travaux de la 15e Assemblée générale de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est précisément à partir du 28 juillet. En prévision de ces assises, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu les organisateurs. Patty Tondongo, Marcel Mobenga, bienvenue le Sala.
La République démocratique du Congo assume la présidence de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette organisation, qui compte 25 membres à son sein, va abriter du 28 au 31 juillet 2021 sa 15e Assemblée générale et sa 8e réunion du Bureau des ministres. Dans le cadre des préparatifs, le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé, a eu une séance de travail avec une délégation de l'OMAOC, avec à sa tête le ministre des Transports, Chérubé Okende, qui est les enjeux de ces deux réunions. Que c'est un honneur pour nous que nous organisions ces assises qui sont des assises de très grands enjeux pendant que le président Félix Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, assume également la présidence de l'Union africaine. Les intérêts sont nombreux et énormes. Je ne préfère pas avant la tenue de l'Assemblée générale que je commence déjà à vous décliner ces intérêts. Vous allez les découvrir à la fin de nos travaux, parce qu'un communiqué conjoint. Il sera également question, lors de ces rencontres, d'approuver les documents qui visent la transformation de l'OMAOC à une organisation maritime africaine. Nous allons approuver pas mal de projets qui sont en cours, notamment le code maritime africain, la banque maritime régionale. 46 ans après, on ne peut plus parler de 25 États. Nous pensons que l'OMAOC pourra couvrir et parler à l'unisson des affaires maritimes. C'est un dossier très très important, la transformation de l'OMAOC en OMA, que nous voulons que ce soit sur pendant la période où le président Félix Tshisekedi, président de la RDC, assume le sommet de l'Union africaine. 25 délégations sont donc attendues en République démocratique du Congo pour ces grands messes. Un autre rendez-vous, ce sont les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire pour bien préparer cette rencontre. Une feuille de route pour la mise en œuvre effective du système LMD a été adoptée aujourd'hui au terme de l'atelier préparatoire. Edith Chalakatala. Deux jours de travaux intenses autour du thème « Redynamisation de l'aboutissement des réformes essentielles de l'ESU, LMD numérisation ». Pour une université efficace, les chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire, tant public que privé, scientifiques et autres chercheurs ont passé en revue les conditionnalités de cette mutation révolutionnaire de l'université congolaise. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Muindo Nzangi, qui avait ouvert ses assises, avait des objectifs clairs assignés aux participants. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Muindo Nzangi, qui avait ouvert ses assises avec des objectifs clairs assignés aux participants, est revenu pour tirer les rideaux de cet atelier préparatoire des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire et en recevoir les conclusions. Il est donc plus qu'urgent de nous conformer à la loi cadre de 2014 et à l'option politique exprimée par le président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est réaffirmé par les gouvernements de la République. La mobilisation intellectuelle et l'implication des acteurs universitaires, éducatifs, socio-économiques, ainsi que des partenaires institutionnels, me rassure quant à l'adhésion de tous. L'arrimage au système LMD, licence, master, doctorat, n'est pas une option, mais plutôt un impératif. Alliances et coalitions géopolitiques diplomatiques en Afrique médiane, c'est un sujet de recherche défendu à l'Université pédagogique nationale pour l'obtention d'un titre de docteur en relations internationales. Je vous laisse découvrir l'auteur de l'œuvre devant le jury, Jacques Méji. La salle de promotion de l'Université pédagogique nationale, UPEN, a servi de cadre à la soutenance de la thèse de doctorat du récipiendaire Augustin Mangemossi Louaou sur la problématique des alliances et coalitions géopolitiques et diplomatiques en Afrique médiane. Le chercheur Augustin Mangemossi démontre que sur le plan géopolitico, géostratégique et intellectuel, il y a l'émergence de l'espace dit Afrique médiane ou Afrique du Centre. Selon Augustin Mangemossi, la nouvelle cartographie géopolitique exige la recentration de la République démocratique du Congo qui est l'élément catalyseur pour bâtir une Afrique prospère en partant du Centre. Pour le développement intégral, la RDC doit s'inscrire
dans la logique de la solidarité stratégique qui passe par les alliances régionales, tricontinentales et les coalitions géopolitiques. Le Congo doit ainsi s'imposer dans la dynamique créée par la mondialisation. Après les jeux de questions-réponses, avec le membre du jury, Augustin Mangemossi, l'Ouaou a été délibéré avec la mention « plus grande distinction », devenant ainsi docteur en relations internationales. Les jurys étaient présidés par le professeur Kabuita Kabolo. La cérémonie du jour a été ouverte et clôturée par le recteur de l'IPEN. Dans un océan de fake news, comment dénicher l'information? À l'initiative de l'UNESCO, des journalistes viennent d'être outillés sur les techniques professionnelles. Marie-Louise Mbella. Le secteur de l'information et de la communication est gangréné actuellement par les fake news, dont il faut ajouter les phénomènes de la désinformation et de la mésinformation véhiculés dans la presse et les réseaux sociaux. À l'heure du numérique, l'UNESCO, cette agence des Nations Unies qui promouvoit la culture, l'éducation et la science, s'aligne dans la lutte contre ces différents virus dans le secteur. C'est l'essence de cette formation axée sur les fake news qui a placé les journalistes devant leurs responsabilités. À la clôture, les professionnels des médias sont ainsi appelés d'éviter de diffuser les informations et de s'attaquer à la vie privée des individus. Par contre, ils doivent s'intriguer aux informations des réseaux sociaux et de développer plutôt les sciences profondes d'analyse et de vérification des faits avant toute diffusion pour ne pas tomber dans la diffamation. Nous s'attendons d'avoir une sensibilisation des journalistes, attirer l'attention sur la question parce que la question est dramatique. Nous avons voulu te donner les instruments pour pouvoir faire la différence entre ce qui est des informations, ce qui est mésinformation, ce qui est vraiment du domaine des nouvelles qui nuisent à la bonne marche des sociétés démocratiques et de la paix. L'UNESCO qui milite pour un journalisme de qualité promet de dupliquer cette formation à travers les provinces pour atteindre un plus grand nombre de journalistes, enfin de mieux combattre ces fléaux. Des dénonciations des faits de corruption qui accablent les institutions du pays. Les actes ont été commis de janvier 2020 à décembre de la même année. Un rapport du réseau des parlementaires africains contre la corruption vient d'être publié à ce sujet. Le réseau des parlementaires africains contre la corruption fait de la lutte contre ce fléau son cheval de bataille. La présentation de ce rapport, réalisé grâce au centre d'écoute APNAC RDC, entre dans cette ligne de compte. Selon le président de l'APNAC, Jean-Pierre Passizapamba, des institutions de la République démocratique du Congo ont été prises en compte par ce rapport. Il s'agit de la présidence de la République, du Parlement, du gouvernement central, des gouvernements provinciaux et aussi des institutions d'appui à la démocratie, à savoir la CENI, le CENSA et également la Banque centrale du Congo. Il ressort de ce rapport un manque à gagner pour l'État congolais de plus de 7 milliards de dollars américains pour la période de janvier à décembre 2020 et 150 terrains de l'État spoliés. Jean-Pierre Passizapamba circonscrit ce rapport. Ce qui a été très essentiel, c'est la présentation du rapport sur les faits de corruption dénoncés par le peuple congolais, par les citoyens lambda de la République démocratique du Congo, moyennant notre numéro vert. Désormais, tout le peuple congolais peut utiliser ces numéros. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale qui a représenté le président de la Chambre basse à cette manifestation invite le Parlement et le peuple congolais à s'approprier ce rapport. Un échange fructueux a sanctionné la présentation de ce rapport. Comment utiliser efficacement les deniers publics? Architectes, ingénieurs et économistes viennent d'améliorer les connaissances en matière de droits et des devoirs autour de la transparence. 9 jours ont suffi aux architectes, ingénieurs et quelques économistes congolais à approfondir les connaissances sur le marché public, le partenariat public-privé et ses contours. Les enseignements pédagogiques et didactiques sur le marché public ont été dispensés par les formateurs et experts que dispose l'autorité de régulation des marchés publics ARENP. Les participants ont acquis de nouvelles notions devant leur permettre de mettre en pratique et d'assurer la croissance du secteur.
ce renforcement des capacités est d'une utilité indéniable dans la carrière professionnelle de ces corps de métier et de tout un chacun, a affirmé la présidente de l'Association des femmes architectes du Congo, Nora Pindi. Nora Pindi, qui a aussi salué la collaboration entre la FARC et l'ARNP, cette institution qui ne ménage aucun effort dans l'offre de ses services. Notre joie est vraiment immense de pouvoir remarquer que nous avons un apport positif pour le développement de notre pays, pour contribuer au programme ou au projet de développement du chef de l'État. Et ce que nous avons appris aujourd'hui, nous sommes armés pour contribuer pleinement aux 60% de la dépense publique, parce que les marchés publics dépendent beaucoup de cela. Et nous sommes très reconnaissants à l'autorité des régulations des marchés publics, à tous les architectes qui ont participé, à tous les ingénieurs et économistes qui ont été présents. Les connaissances acquises nous permettront de pouvoir participer au processus d'appel d'offres et pouvoir faire... Donc passer au partenariat public-privé avec des projets costauds, des projets qui pourront contribuer au développement de notre pays. Je pense que cette formation nous a vraiment donné des atouts et des acquis qui pourront nous aider à atteindre les objectifs. Nous sommes à l'aube, même déjà en train de vouloir entrer dans l'arène pour être des acteurs performants du développement de notre pays. Et ce type de formation nous permet d'avoir les capacités requises pour être effectifs dans cette tâche. Donc nous sommes vraiment ravis de tout ce que nous avons appris ici et nous sommes convaincus que chacun des participants arrivera lui aussi à son tour à être un acteur performant dans les objectifs de développement de notre pays. La remise des certificats aux participants par le PCA de l'ARNP, Claudia Moulin-Miloir, a sanctionné la dite formation. La FARC entend poursuivre cette série de formations à l'intention des autres corps de métier pour une bonne utilisation des données publiques. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe hier sur nos antennes. La décision de la police interdisant la levée des corps le week-end est-elle précipitée? Certains Kinois réclament un moratoire. D'autres soutiennent cette mesure. Des réactions croisées dans ce reportage signé Nanou Umba Poati, Bijou et Kamba, Cédric Kenina. Plus question de foule dans des morgues, la police de Kinshasa tient à faire respecter l'arrêté signé par l'autorité provinciale. La levée du corps, une cérémonie qui draine du monde, se fera désormais du lundi à jeudi. Décision prise pour maîtriser la baisse de la courbe des contaminations. Certains habitants de Kinshasa plaident pour un moratoire et estiment qu'il faut évacuer au plus vite le morgue saturé. Vendredi, samedi. Mais il faut que le journaliste sensibilise énormément sur les mesures prises par les autorités de la police nationale congolaise et le médecin. Nous nous inclinons aux décisions de l'autorité. On dit vaut mieux prévenir que guérir. C'est pour que nous respections le geste barrière. D'autres par contre disent n'avoir pas été informés et proposent une vulgarisation avant l'application. La plupart des Congolais sont des chrétiens, ça ils sont plus libres d'enterrer leurs proches le week-end ou aussi pendant la semaine, mais ce n'est pas vraiment favorable, ça ce n'est pas idéal. Si quelqu'un est mort, on amène les corps directement au cimetière au lieu de faire des dépenses inutiles. Je sais bien qu'il y a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais selon mes pensées, qu'il soit ainsi. Doit-on attendre ou passer à l'acte pour éviter de nouvelles contaminations? Le scepticisme prend le pas sur le réalisme. Merci d'avoir suivi ce journal à travers le monde. Je rappelle les principales informations. 18 tués, 8 passagers sauvés par l'armée et 2 ADF neutralisés. C'est le bilan du drame qui s'est produit hier à Tchani Tchani, précisément à Beni. C'était un camion transportant de la marchandise qui est tombé dans une embuscade des ADF MTM. Vous avez suivi le témoignage d'une rescapée qui se retrouvait avec une jambe cassée.
La mesure de la police interdisant les levées des corps les week-ends suscite de vives réactions. Les Kinois restent partagés. Certains sollicitent même un moratoire avant la mise en application de cette mesure. Des agitations s'observent autour de la désignation des nouveaux membres du bureau de la CENI. C'est un fait normal. Un expert en matière électorale a fait sa lecture sur l'indépendance de cette institution citoyenne. C'était un plaisir d'avoir présenté cette édition d'information. L'actualité revient à 23h. Robert Ndaye-Chinsese sera à la présentation. Bon week-end. Je vous retrouve lundi à 20h. Mais demain, la grande édition sera actualité. Patrick Michel Moukouli sera aux commandes. Au revoir.